Eh oui, pas vraiment de counter-pick alors. Et le match, ouais, et même les Mexicains maintenant, ils mettent même entre eux, ils commencent à mettre ils mettent le drapeau. Le hein. drapeau, ça sert à rien. Les mecs, ils ont joué toute l'année sans ça. Et là, la finale. Ah ouais, Mexicains, Américains, mais c'est deux Hispanos, quoi. Ouais, voilà. Il est Mexicain. Ils ont sort la réponse, il est mort en poule. Mexico. Oh, il va foutre le bordel, ça c'est sûr. Sika. Les voilà, les Mexicains, les voilà. Il est unleashed. Il est déchaîné, Romance. Hein. C'est Romance. Ouais. Et oh là 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 là. J'en sais rien. Il voilà. Voilà. Comme ça, et... il voit pas les empty buttons non, comme ça. Il voit pas les empty buttons, mais il gagne. Voilà. Fox, oh, ce sera le prochain match pour exactement. Fox. Là, en attendant, on a un classico. Ouais. Avantage à Reynald. À Reynald. Dans cet affrontement. Ah bah ça joue Polnareff dans les deux équipes. Hein. Des Polnareff, hein. De JoJo's Bizarre Adventure. Ça joue complètement Polnareff. Bonjour Amastic, vous avez une retransmission là-bas, ne vous amassez pas trop ici. Hein. On va essayer de faire ça propre aujourd'hui. Caractère select d'entrée, ils se tapent des barres les mecs, normal. Wow, le mec il se dépote, ils sont là, vas-y viens, on joue à coff mec, qu'est-ce qu'il y a hein, vas-y mec, tu me prends, allez c'est bien. Yo man. Qu'est-ce qu'il y a? Défi en 10 tout de suite. Défi en 10. Mais t'es malade. Apparemment, mais je sais pas. Mais... On l'a jamais vu à un tournoi français donc. qui viennent prouver, comme dirait beaucoup de personnes dans le groupe Coff Race France. Et Romance, il met Polnareff en 3. Hein. Oui. C'est même étonnant pas. D'ailleurs, parce que normalement en général il met Yuri. Allez, saut CD pour la King de Romance. Oh, magnifique! Dragon sur la relevée. Petit dragon pif. Du EXQ. Allez, voilà, bien décalé les Reka hein, pour avoir tous les hits. Stand B. Allez, décalage des Reka. Ça c'est bien vu. Allez, l'arnaque avec l'overhead. Oh, Diga. Ah ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça, ouais. Allez, c'est Fox Bodiga, Bono. Bodiga, Alakstase. Et c'est terminé. Ça termine en OTG. Ouais. Et 1-0 pour Reynald. Commence mal hein, pour Romance. Hein. Ouais. Les statistiques sont peut-être en sa faveur de façon assez impressionnante. Ouais. Allez, Yuri Sakasaki, donc qui est en 2. Bodiga. Oh, le Ryoken, c'était une erreur. Hein. C'était safe, ça. C'est juste, juste, hein, ouais. C'était juste, ouais. Wow, et encore Saifa dans le vent, il est pas dedans, Romance, là il a fait le beau gosse, viens on joue comme à la maison, ouais. Mais il est pas à la maison, sauver, ça se sent. Le dive kick, mais non, pourquoi? Ouais, il y a des ex-Saifa, il y a n'importe quoi, c'est... Ah oui, non, mais là c'est bizarre. Hein. CD pour revenir hein, avec Yuri qui mange quand même le saut dé. Reynald il y a pas va le dévorer. Dragon, ça, pour être plus patient. Wow. Ça c'est bien vu, allez le dragon pipé, gros point. Les ciseaux, rattrapage chiné. 2-0 pour Reynald. Et voilà, on le voit. On le voit ici. Ouais. Romance, il fait. Attends, qu'est-ce ouais. qui se passe? Merde, ça a commencé. Là, c'est pas le bouton de check. Et justement, Polnareff pour reverse au suivi, ça va être chaud. Hein. Alors, est-ce qu'il va pouvoir sortir son combo fétiche dans le coin? On rappelle que dans le coin, Benny Mario a combo ça sur ça, shop. C'est un truc de fou, il voit rien, Romance aujourd'hui. Et que comme on ne peut pas déchoper, baisser dans le coffre, ça donne lui pas mal de main game. Allez, oh, il va prendre cher, il va prendre Bodiga décalé. La mise à terre, Chef jump derrière. Ça c'est bien joué. Allez, ah, break roll, ça utilise des ressources. Allez, voilà, là il y a combo. En dos à Dinguiri, voilà. Hey, 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 oh. Ça fait pas les vrais combos. Voilà, avec le Sora Jinken, Sora Jinken. Pourtant, il le sait le faire, mais. Ouais. Bublan le fait. Ren le fait, Shoki le fait, tous les joueurs de Minimaru le font. C'est ça le problème, s'il ne fait pas les vrais combos et si on le voit faire des grosses erreurs d'exé, c'est tout simplement qu'il n'est pas dans sa finale. Allez, Bodiga. Ça sent l'Ocivi, ça sent l'Ocivi. Ouais. Ça sent complètement l'Ocivi. Il est complètement en mode EX chiné. Oh bah, il en reste un. En mode EX dragon peut-être. Il en reste complètement un dig chiné. Hein. Voilà, je te l'avais dit. C'est garanti. Tellement garanti ce EX chiné.
Et là, donc, tentative de reverse au CV, mais ça va être mort avec 200 de vie qui lui reste. Ouais, quoique, s'il fait une Fox, Fox l'a fait, hein. Donc pourquoi pas. Mais il mange quand même Ando Satangiri et Benny Mahou Kolaïda. C'est terminé. Antique, 1-0. Antique 3 à l'ancienne. AS hein. Reynald. Arcade Shock Reynald. Quelle est l'option là pour Romance est-ce qu'il peut changer de perso ou est-ce qu'il doit rester dessus? Il peut changer de perso. Le perso qu'il a encore en stock, c'est Psyche. Je lui recommande pas. Sincèrement. Non, sincèrement, je lui recommande. Moi, j'ai jamais recommandé Psyche à personne, hein, personnellement. Mais bon, peut-être qu'avec Fardé. Voilà, allez, cassez-vous. J'ai besoin de voir les sticks. Alors là, faut vous montrer ça. Voilà. Voilà. Le truc qui. Ah, ouais, il a enlevé, c'est ça. Exactement, ouais. Il a retiré son armure et il est parti là. Setup empty button. Il est en mode setup empty button, ce qui fait qu'on risque peut-être de voir des choses bizarres. Du genre des anti-air qui ne viennent pas. C'est ça. Avec encore un bon pressing de la part de Reynald qui est tout juste devant, qui est juste au-dessus pour le moment. Allez, le sensei, le backdash. Pas de combo hein, quand même, il manque les gros combos. Stand B, bien joué. Allez, ça, close, c'est pas combo. Mais ouais, derrière, pas de combo. Toujours l'avantage hein, au XQ de Romance dans cette rencontre. L'overhead de Kyo, à part si t'as max mode, c'est juste pour le swap que tu le mets. Exactement, en fait. Exactement, hein. Parce qu'il n'est pas cancellable. C'est chaud, hein. Complètement chaud parce qu'il en a pris 3 ou 4 hein, quand même hein, ici. BAM! Il fallait utiliser la barre de Fury, mais ça n'a pas tué. Ah non, d'accord. Très bonne réponse de Reynald. Se remet dans la partie. En enlevant le setup craqué, a pu se débarrasser du XQ. Va-t-il revenir à 1-1? Je ne pense pas. Et pour le moment, il est peut-être en mode empty button, hein, parce qu'il fait plus rien hein, quand même, le Benny Maru. C'est peut-être le mode empty button, un mode qu'on a du mal à apprécier sur un match lui-même. Dragon, ça, il fallait le faire hein, dans tous les cas. Ah, évidemment, il y a une tenue. Ah, il y a une tenue cachée. Hein. Et la tenue alternative. Reveal the boobs. Voilà, reveal the boobs. Bon, c'est la Yuri hein, qui avait fait complètement de la merde dans le dernier coup hein, chez Romance. Tentative de cross-up, mais c'est pas passé. Le Koken, le Sobe, dive. Ouh, c'est derrière, ouh, c'est derrière. Et là, il break roll, c'est très bien joué. Et là, le setup devant derrière, bah, c'est devant. Oh, bien joué, avec Max le combo AG qui est donné, mais qui va être pourri. Ah, il connaît. Et c'est pas pourri ça. Ça, c'est pas pourri. Ah, malheureusement, il rate. Il voulait faire la nouvelle version avec le cancel du backdash. Et il a raté son cancel de backdash. Ouais. Très bon dragon. Et Yuri qui est en difficulté. Ouais, c'est Reynald hein, qui est là en tout. Pouh, mais c'est quoi ce MacMugs classé à l'autre bout de l'écran. Il va se faire. Hey. Non, trop loin encore une fois. Shop, trouver le dive et le saut arrière D qui aura raison. Reynald, Romance qui fait n'importe quoi. La Romance qui fait peine, vraiment qui met pas en honneur le niveau américain. On a vu à peu près pareil à la finale du CIO où c'était très pauvre techniquement. Ouais. À l'UFTGC ça allait, mais c'était pas trop ça. Mais là, il faut dire que Romance veut retourner au Mexique, hein, clairement. Hein. C'est un peu ça, hein. C'est clairement un peu ça. Quel est le meilleur Polnareff pour, Ouf. Vous voyez ça. Allez, saudé. Ouf. Et la chop pour Romance. Allez, qui les va vrais manger combos, le combo. S'il te plaît. Les vrais combos, les vrais combos. Non, ça fait assez dommage. Ça mais... fait mal. Ah, okay. Mais c'est pour prendre un pifle à la relève, c'est ouais. Sympa. Ouais. Oh, ouais. Raikoken à la relevée, ça le fait sourire. Hein. Ouais. Fait complètement sourire. Le nombre de pifs qu'il ramasse, c'est assez impressionnant. Et Kim, donc, le dernier striker de Romance, de Reynald. Avec encore une barre de super, alors qu'en face, il est à poil. Ouais. Il mange deux faces, c'est terminé. Hein. C'est ça, décalage D, c'est dans la garde. Oh, c'est quoi ça? Allez, pourquoi il a fait point. Ça ouais, parce qu'il aurait pu lui faire mieux. Ando Satangiri. Et Kujo Agetsusan. Il pourrait mettre. Il punit en tir avec ça, alors qu'il pourrait faire flash kick. Hein. Je ne sais pas, c'est mieux visiblement. Bah ça lui donne combo tellement derrière, mais. Tellement retard, ça oui, il fallait, c'est le moment. Clack Maxman, hey, c'est là où il faut revenir. Peut-être un partout. Faut pas rater. Il rate le sac, fini. C'est pas possible, c'est terminé, à mon avis, Romance. Reynald va éliminer Romance. Bien joué. Il ne va absolument pas le laisser revenir. Pas terminé. Wow! Très belle roulade, qualité de l'ex, c'est clair. Pour avoir une barre. Babé est pas là. Est-ce qu'il va faire Fardé? Toujours pas. Oh, le cross-up. La garde oh, est oui bonne. Quelle chance, mais un quelle chance. Partout. Ouais. Oh, il revient de très très loin. Il rigole, mais il a fait le sac. Hein. Moi, sans je déconner, dis, hein. Complètement le sac. Hein. Complètement, il a fait le sac.
Il a fait complètement le sandbag time. Oh putain. Ouais, bah il y a du décalage, ça ouais, dépend du stream. Ouais. J'espère que vous avez de la synchro. Si vous avez de la chance de la synchro, si vous avez un peu moins de chance, on est en retard. Comme ça, on vous spoil pas. Ouais, déjà, on est au moins plus en avance voilà. que ça. Et sachez que nous sommes en train, évidemment, d'enregistrer la VOD avec l'image et que tout sera propre, bien entendu, sur la VOD. Oui, exactement. Allez, pas de match. Bodyguard. Et le Kyo qui a fait mal, de toute façon, dans les deux derniers sets, le Kyo a fait mal. Il y a un potentiel, hein, de toute façon. Wow, mais c'est overhead, c'est tellement gratuit sur Romance. C'est ça. Mais tellement trop, ça garde en bas. Tellement peur de baber. C'est déchopé. Il a quand même ramassé la chope à la relevée. Bah, cette fois, c'est pour XQ. C'est très tendu. Venom Strike. Pour Romance. Poupou. Il n'y a rien derrière. Je sais pas pourquoi il ramasse des chops à la relevée comme ça veut rien dire. Ça. Ouais, jouer le décalage babé avec le combo tornado kick. Ouais, il aurait pu mettre un trap shot. Si c'est reset. Gros pied. Venom Strike, EX, trap shot. Mais heureusement pour lui. Oh, le gros point dans le backdash. Il l'a cloué. Hein. Il est content. Il est content. Bah écoutez, on va le laisser être content. Ouais. Ah, il va être guac.fr direct. J'avoue, hein. Guac.fr. Même guac.fr Rebald. Voilà. Guac international. Oh, par contre, ça, c'est une ouverture de garde sèche. Et ça enlève les habits. Guac.com. Ouais. C'est ça. Eh oui. Allez, Yori qui m'a pas forcément fait une énorme impression, qui encaisse directement ce vertical D et qui se fait prendre dans un combo quart de bar, tiers de bar même, hein, de la part de Reynald. Et qui va pouvoir mind game shop, pas shop dans le coin. Morte, hein. Elle est complètement morte. Elle prend encore un shop spécial. Elle est rincée là. Complètement, c'est complètement la Yori Tupac. C'est très très chaud. Fou magnifique. Magnifique. Tidan Guiri pour terminer. Là, c'est même pas la peine quoi. Polnareff imbattable. Hein. Ouais. En plus, je pense qu'il a chargé quand même pas mal de barres là. Ouais. Fait des choses bizarres le Benny de Romance. Oh là, il a complètement pu prendre le cross-up. Ouais. Mais il y a quand même le whiff punish à la retombée de ça. Très bon dragon. Allez, dragon, bien joué ça. Magnifique. Allez, course shop, mais c'est dans le backdash, voilà. Donc ça fait gros point. Gros point d'option select. Ouais. Ça décale les Andoza d'Anguiri. Franchement, si Romance claque pas max mode ici, je donne pas cher de lui. En plus, il prend ça. CCD. Avec juggle juste derrière, décalage, gros point. Il a cru que c'était le gros point. Était allez, Max Mod, il est là. Max, c'est parti, ça doit tuer. Koken et la Neomax. Et il est au zéro de vital. Comme à l'UFTGC. C'est pas bon du tout, ça. Comme à l'UFTGC. C'est pas bon du tout. Ça se regarde. Saut B. Ça backdash direct. Saut D. Il en a eu un peu marre de prendre des chocs. Yagiri, c'est dans la garde. Il va le tuer quand même. Yagiri à nouveau avec le card cancel rolling pour Roll. C'est pas possible. Pour Reynald. Soit arrière. Ça se regarde. Ça veut même pas chercher la barre. Et en tant que attrape la roulade arrière. Vraiment juste au bout de la fin de la roulade. Hein. Voilà, ça joue au dernier perso, mais Kim, il va lui mettre deux EX. Ah non, rien du tout. Il va mettre juste son HD et ça sera terminé. Et il overhead. C'est fait. Et Romance qui va repartir tranquillement à la maison. Reynald, sincèrement, qui le méritait. Hein. Sur ce match-là, il était au-dessus. Mais. Ah là là. Eh bien, on a assisté à un gros match. On a assisté à un gros match. Romance qui fait top 8. Merci. De Lévo. Dernière chance du Mexique. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Celui qu'on attend pour le jour de la fête nationale. Exactement. La fête nationale, Fox, le meilleur espoir français, est présent. Donc sachez que Jerry Fresh, hein, nous sommes synchronisés au meilleur de la synchronisation possible ici. Si on est en retard, tant pis. Hein. C'est aussi pour les informations que vous suivez ce stream audio. Ah, je pense que par rapport à tout à l'heure, on était mieux. Hein. On était mieux. Ouais. Là, on va être décalé, c'est chaud, je refresh et je suis en retard en fait. Voilà, exactement. T'as refresh pour être en retard. C'est craqué.
Non, 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 on est là tout à l'heure, on était vraiment bien décalé par rapport à celui-là, je crois. Mais là, maintenant, ça c'est quasiment équivalent. Non? Ah ouais? Attention. Attention, on regarde si on est bien décalé ou pas. Hein. Peu importe sur le décalage, on s'en fout. Il y a Fox sur le stream, mais mec! Il y a Fox! Eh mec, fais ton taf, bordel!